Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous rassemble ce soir. Il a conduit chacune et chacun d'entre nous pour la célébration de cette Eucharistie. Où nous faisons mémoire du sacrifice du Christ et où nous offrons ce sacrifice pour le salut du monde. À vous qui êtes rassemblés dans cette cathédrale, aux téléspectateurs de KTO Télévision et aux auditeurs de Radio Notre-Dame, je souhaite que tous se laissent conduire par l'amour de Dieu qui nous donne sa paix et qui nous rassemble en un seul corps. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Pater Maniam Gloriam Tuam. Nomine Deus et Celestis, Deus Mater Omnipotens. Nomine Filii Unigenitus.
Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé.
Sois mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi,
quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, si nous voulons entrer un peu plus profondément dans l'évangile que nous venons d'entendre, il nous faut le situer dans le déroulement de l'évangile de saint Matthieu, qui rassemble dans ce chapitre 22 un certain nombre de discussions de Jésus avec les scribes, avec les pharisiens, avec les sadducéens, et qui nous sont présentés par l'évangéliste comme des pièges tendus à Jésus. Mais pour comprendre en quoi consiste le piège, il faut que nous fassions rapidement mémoire de la situation dans laquelle ces discussions ont lieu. En effet, les différents responsables du peuple d'Israël ou les différentes écoles rabbiniques qui essayaient de rassembler des disciples se trouve en concurrence avec Jésus. Et c'est pourquoi ils essayent de le faire trébucher par rapport à leurs propres enseignements. Vous vous souvenez sans doute que dimanche dernier, le piège portait sur l'impôt dû à César. Ce soir, le piège porte sur le grand commandement. Pourquoi ? Parce que les pharisiens, dans leur zèle pour mettre en œuvre l'intégralité de la loi, formulaient des commandements nombreux, tous tirés de la loi et des prophètes, et qui devaient définir la manière d'être un juif fidèle. 613 commandements, rien de moins. Et l'on comprend que beaucoup de ceux qui entendaient cette prédication sur les innombrables commandements pouvaient être un peu perdus et se demander si tous ces commandements avaient la même importance, s'ils étaient tous sur le même plan. Et en posant à Jésus la question du plus grand commandement, les pharisiens veulent le mettre à l'épreuve par rapport à leur propre enseignement. C'est ainsi que nous comprenons que la réponse de Jésus a quelque chose de nouveau pour ses auditeurs. Elle n'est pas nouvelle par son contenu,
puisque, comme vous le savez, les deux commandements que Jésus rappelle sont tirés de l'Écriture et sont une citation de l'Écriture. Et donc, tous les Juifs savent, pour le réciter tous les jours, qu'il faut aimer le Seigneur son Dieu de toute sa force, de tout son cœur et de tout son esprit. Ça ne leur apprend rien du tout. De même qu'ils savent qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ce qui est nouveau, c'est de prendre ces deux commandements, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, comme un critère de discernement par rapport à la multitude de choses qui étaient détaillées par les commandements des pharisiens, au point que personne, sauf à s'illusionner beaucoup sur soi-même, personne ne pouvait être sûr d'exécuter vraiment tous les commandements. L'enseignement de Jésus est libérateur, non pas parce qu'il éliminerait les commandements de la loi, mais parce qu'il les soumet à un commandement générique, fondateur, qui va permettre à chacun et à chacune de vérifier si ses pratiques non seulement obéissent à toutes sortes d'obligations formulées par les pharisiens, mais surtout si ces pratiques obéissent au commandement fondamental de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Nous en avons de multiples traces dans les évangiles, notamment chaque fois qu'il y a une discussion sur le sabbat. Vous savez que Jésus fait un certain nombre de miracles à la synagogue le jour du sabbat et on lui fait grief. Pourquoi ? Parce qu'il fait quelque chose qui est interdit. Et comment il répond ? Non pas en disant que ça n'est pas interdit, mais en disant que la loi, y compris la loi du sabbat, est au service de la vie de l'homme, et non pas l'inverse. Et que s'il redonne la santé ou la vie à quelqu'un le jour du sabbat, il accomplit le sabbat. Ça veut dire qu'il a un critère pour interpréter les commandements, non pas comme une sorte de code de la route où on additionnerait les obligations les unes après les autres et où il faudrait cocher chaque case, mais comme une orientation fondamentale du cœur et de l'action, commandé par l'amour de Dieu et l'amour des frères. Et c'est cet amour de Dieu et cet amour des frères qui accomplit la totalité de la loi. Parce que la loi et les prophètes n'ont pas d'autre but que de permettre à ceux qui les reçoivent d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ce débat entre Jésus et les pharisiens, ou entre Jésus et les sadducéens, ou entre Jésus et les scribes, n'est pas simplement une évocation historique de ce qui s'est passé pour l'enseignement du Christ. C'est aussi un indicateur de ce qui se passe pour nous. Car nous devons bien nous rendre compte comment nous entrons nous aussi en discussion avec le Christ pour faire ressortir ce qui pourrait être une contradiction et pour espérer ainsi justifier nos difficultés.
Vous avez entendu tout à l'heure comment le livre de l'Exode invite les Juifs à se comporter avec les immigrés et à se comporter avec les pauvres. On peut trouver toutes sortes de questions diverses qui détournent la véritable question qui est posée. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même si on se détourne du pauvre, si on l'exploite, si on refuse d'accueillir l'immigré et si on le rejette? On peut toujours trouver des arguments, on peut toujours entrer en discussion avec le Christ sur ces sujets. Mais ultimement, le Christ ne nous demande pas d'avoir un comportement parfait et idéal dans toutes les circonstances. Il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et c'est à la lumière de ce commandement de l'amour du prochain que nous devons apprécier les situations dans lesquelles nous sommes, les appels que nous percevons et la manière dont nous y répondons. Comment pourrait-on dire, comme saint Jean nous le répète dans sa première épître, que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, si nous n'aimons pas les frères qu'il nous donne et que nous voyons? Voilà un critère de discernement. Je peux me dire chrétien, disciple du Christ, fidèle de Dieu, mais est-ce que je suis chrétien, disciple du Christ et fidèle de Dieu dans mon comportement avec les hommes et les femmes qui m'entourent, et en particulier avec celles et ceux qui sont les plus démunis et les plus abandonnés dans notre monde? Ces deux commandements de l'amour de Dieu et de l'amour de nos frères rassemblent, résument, récapitulent toute la loi et tous les prophètes. Toutes les situations dans lesquelles l'existence nous projette, toutes les opportunités ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne peuvent pas se résoudre simplement par des commandements de détail. Elles ne peuvent se résoudre que par l'orientation fondamentale de l'amour de Dieu et de nos frères, qui nous font choisir et construire les solutions les meilleures ou les moins pires dans chaque situation où nous nous trouvons. Prions le Seigneur que ces controverses que nous rapporte l'Évangile éclairent les controverses que nous entretenons nous-mêmes en nos cœurs et qu'elles nous aident à comprendre comment l'obéissance à Dieu, à la loi et aux prophètes s'accomplit dans l'amour de nos frères. Amen. Credo in unum Deum.
omnipotentem, factorem celi etere, in omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre Regni non erit fini.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, regarde les présents déposés devant toi et permet que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ave, Ave,
N'hésitez pas à emporter avec vous la feuille de liturgie à la quatrième page. Vous avez les différentes informations et célébrations pour la semaine qui s'ouvre. Vous avez tout d'abord le 1er novembre, ce sont les horaires du dimanche. À 17h, vous aurez une procession où nous accueillerons sur le parvis les bannières qui seront entrées avec les reliques que la cathédrale a la grâce d'avoir. Puis nous aurons les vêpres et à 18h30 la messe. Le lendemain, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. Les messes sont aux horaires habituels de semaine. Et vendredi, premier vendredi du mois, à 15h, c'est la vénération de la couronne d'épines à 15h. Et dimanche prochain, eh bien, nous aurons les horaires du dimanche. Et à 17h, nous reprenons un nouveau cycle de conférences dont le thème est « À la suite du Christ ». Et dimanche prochain, ce sera l'appel « Viens, suis-moi ». Pour le spectacle « Dame de cœur », qui est un beau son et lumière sur le parvis, à l'occasion du centenaire de l'arrivée des Américains lors de la Première Guerre mondiale, je pense qu'il y a encore quelques places, mais pour des raisons de sécurité, vous devez prendre un ticket sur le site Dame de cœur que vous trouverez sur Internet. Un concert à la cathédrale, mais ce n'est pas cette semaine, ce sera le 7 novembre. La maîtrise a chanté une messe en do de Galuppi et un Ave Verum de Liszt sous la direction de notre Yves Castagnier qui était à l'orgue de chœur et au grand orgue Philippe Lefebvre. Seigneur, que tes sacrements achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.